L'hommage du Cap Spartel Film Festival à la Légation américaine de Tanger portait sur la philosophie de Gandhi et la non-violence au cœur de la Médina, la première propriété publique américaine en dehors des États-Unis, a réuni un large parterre de spectateurs pour la diffusion du documentaire sur le Mahatma. L'esprit du guide spirituel était bien présent ce vendredi 29 mars dans la capitale du Rif. La violence des guerres, la violence de fabrication des armes et leur diffusion dans le monde entier, que ce soit des armes chimiques, des armes biologiques, des armes très sophistiquées pour tuer des gens, pour détruire des pays. Est-ce que on peut, comment peut-on utiliser la méthodologie de Gandhi de lutter contre la violence avec la non-violence? Weapons, whether nuclear or whatever, and this industry is flourishing. How can we fight this violence? Can we fight this violence via Gandhi's non-violence philosophy? As I told you, when you see the era of Mr. Gandhi, you will find that there is two parts of the world. One is the European world and second is the Asian world. This is the most violent period of the history, if we consider. And we know that lots of inhuman work, inhuman execution were done at that time. Then, at the same, against the same colonial power, India managed to get the success without the without arms. You know, Gandhiji doesn't have anything. وقلك خاصنا شو واحد بحال غاندي خاصو يكون عنده القوة الفكرية ديال الإقناع اللي هو كان عنده قوة الإقناع هو هما القاسمي كان عندهم جوج أنواع كاين النوع الآسيوي والنوع البريطاني بمعنى هذوك مسلحين بهذا اخر ما كان في السلاح